Faut vraiment que je vous raconte cette histoire. Attends, c'est quoi déjà ça? Ah, c'est ça? Ouais. Et donc c'est quoi le titre? Non, je suis désolé, je l'ai pas. Je rentrais de voyage et visiblement j'ai chopé un truc là-bas. Tu sais, tu te retrouves à quatre pattes, la tête dans la cocotte minute et... Et ça sort. Au bout de 2 jours, je me suis dit, ce serait pas mal d'aller consulter un médecin. Je vais voir le médecin. Salut. Salut, moi c'est Philippe. Voilà, c'est un élève de ma salle et en fait, on a un petit peu discuté après le cours et il m'a dit qu'il était musicien. Oui. Ouais, non mais le saxo est bien. Hein. J'ai essayé, il est équilibré, le bec est bon. Le bec est même très bon. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. Il avait l'air un peu inquiet. Et il me dit, on va faire des analyses de sel donc pour savoir un petit peu ce qui se passe dans votre estomac. J'arrive dans le cabinet médical et là, il faut vraiment se représenter la scène. Au milieu, il y a un bureau avec l'infirmière d'accueil et tout autour, il y a que des patients qui attendent leur tour. Donc j'attends, on entend plein d'histoires. Ça vous dérange si je fume pendant l'interview? Ah non, allez-y. Vous êtes gentil. Vitamine. Et là vient mon tour. Donc moi, je me lève avec mon petit papier, je me présente devant l'infirmière. Sophie, c'est ça? Bonjour. Vous êtes plutôt thé, plutôt café? Et je lui dis, bon voilà, je viens pour faire une analyse de sel. Elle me dit, ah d'accord, bah très bien. Et là, je la coupe et je lui dis, est-ce que je vous donne le sac? Et là, elle pose son stylo. Et elle me regarde comme ça. Et elle me dit, vous avez chié dans un sac? Oui. Mais monsieur, faut pas chier dans un sac. Faut faire ça dans un pot. Mais je lui dis, mais j'ai pas de pot. Elle dit, non. On va pas faire ça dans un sac, vous allez prendre ce petit pot et vous allez au cabinet. Vous comprenez? Ah oui. Voilà. Gracias. 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 Non, pas gracias. C'est espagnol, gracias. Vous foutez de ma gueule, hein? Ah, pas gracias. Ben non. Guten Tag. Chut. Je m'exécute, je prends le petit pot, je file au cabinet. Je fais mon affaire. Je pose le petit pot sur le petit plateau roulant. Et là, j'ai qu'une idée en tête, c'est il faut rentrer. Il y a tout le monde qui a entendu et tout le monde sait que tu as chié dans un sac. Je sors du cabinet. Et là, en face de moi, qu'est-ce que je vois? Une poubelle. Et là, je me dis que tu as un sac dans ton sac à dos, il y a une poubelle, il serait temps d'aller le jeter. Et au moment de le mettre dans la poubelle, je sens comme une espèce de tension, un truc. Et là, tout doucement, je détourne le regard vers le cabinet. Et je me rends compte qu'en fait, le cabinet, la paroi du cabinet, c'est une énorme vitre. Tout le monde est comme ça. Va-t-il le faire? Va-t-il pas le faire? Va-t-il le faire? Va-t-il pas le faire? Et je lâche le sac. Et heureusement qu'on reçoit les résultats par internet, parce que jamais de ma vie je remettrai les pieds dans ce cabinet. Alors si j'ai une chose à vous dire, si jamais un jour vous devez faire des analyses médicales et des analyses de sel, faites ça dans un pot. Et j'ajouterai, il ne faut pas dire l'affaire est dans le sac, mais l'affaire est dans le pot. Bravo. Voilà.